Ok, j'espère que vous me voyez bien. J'espère que vous me voyez. Alors, bienvenue sur la chaîne, sinon la page de notre ami, mon partenaire, Okosi Baba Nicolo. C'est un honneur de vous avoir sur cette page. C'est votre Lisa Vanta des réseaux sociaux. C'est un grand plaisir de vous avoir ici. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. De temps à autre, en tant que partenaire de votre bien-aimé Okosi Baba Nicolo, s'il me fait appel, je viendrai faire des vidéos ici pour vous, les Ivoiriens. Je vous salue solennellement depuis vos bords politiques, depuis vos positions stratégiques en ce qui concerne la politique de la Côte d'Ivoire.
sociopolitique par rapport à la Côte d'Ivoire elle-même et par rapport à tout le monde entier. Je vous salue, braves Ivoiriens et braves Ivoiriennes. C'est très, très important de saluer tous qui sont connectés. Ça fait plaisir, c'est un grand honneur pour moi de vous entretenir dans cette vidéo. Je vais saluer déjà ceux qui sont connectés, les premiers. Je fais un grand coucou à Martial Gagné. Je fais un gros coucou à Constant Le Sauvé Obo depuis ton bord, depuis ta... Excusez-moi. Depuis ta position, je fais un coucou à... Je fais un coucou à Raymond Quadio depuis ta position, mon frère. Sois salué. Je fais un coucou à Zanzan. Sois salué, mon frère. Je fais un coucou à Monsieur Brice, non, Bruce Chapi. Sois salué, mon frère. Monsieur Quadio encore. Sois salué, mon frère. Et à Monsieur Samuel Mobio. À Inès La Patience. Un gros coucou à toi, ma soeur. À Monsieur Richard Aka. Samuel Mobio, etc., etc. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il s'est avéré que, j'espère que vous me voyez, non, c'est mieux comme ça. Il s'est avéré que notre ami Okosi Baba Nicolo a fait presque deux vidéos à propos d'une affaire de terre qui est arrivé, ou je peux dire qui est arrivé, oui, qui est arrivé, un problème de foncier à propos d'une de nos sœurs bassamoises. Et donc, taguer tous les groupes bassamois, taguer tout le sud comoé, parce qu'aujourd'hui, votre sœur va bailler sur vous. Et ce que je vais dire là, allez dire à toutes les royautés, parce que ici, dans cette vidéo, je vais parler à vous, mes parents. Je vais parler à vous, mes frères bassamois. À vous, mes frères de Vitré. À vous, mes frères de Benoît. À vous, mes frères d'Aboisseau, d'Adiaké, d'Assini Mafia. À tous mes frères du Sud Comoué. Car ce problème, c'est un problème qui n'est pas anodin. C'est un problème qui se passe tout le temps dans cette région. Nous avons une très belle région, la région du Sud Comoé. Et ceux qui y habitent, les habitants, ils sont très serviables, très hospitaliers et très fraternels. Vous me comprenez? Invitez-les. Invitez le roi, invitez ces sujets. Partagez la vidéo dans tous les groupes des abourés, des bassamois, etc., etc. Parce que cet après-midi, nous allons parler d'un problème, d'une situation très, 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 très délicate et très, très, très importante. Ce n'est pas la première fois que votre fille, que votre soeur, que votre enfant, Lisa parle de ce problème de terre. Nous allons parler de la terre. Et ici, je n'aurai pas de langue de bois, je vais vous dire la vérité. C'est un problème très récurrent. Merci, Monsieur Mobio, Samuel, pour cet aperçu. C'est un problème qui demande à ce que nous soyons vigilants. Parce que notre région est une belle région. Il y a des milliardaires de tous les pays du monde, des contrées du monde, qui viendront dans ces régions, nos régions-là, pour payer nos mangroves, pour payer nos lagunes, pour payer nos terres, pour payer je ne sais quoi. Et ceux qui vendent les fonciers-là, corrompus qu'ils sont, ils vont toujours aller leur donner ces terres qui sont déjà des terres qui appartiennent à des propriétaires. Et donc cette situation est très 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 importante. Cet après-midi, je vais vous parler de l'affaire de madame, je crois qu'elle s'appelle Marie
Elle s'appelle Marie C. Tana. Je crois que c'est Tana, mais comme c'est en français, on dit Tenant. Madame Tenant est propriétaire foncière depuis les années 1900 au blou de la colonisation. Allez voir la vidéo de Okosisi, visualisez-la et vous allez comprendre celle que je suis en train de faire. Cette dame est propriétaire. Je vais fermer les fenêtres parce que ça me gêne. Et donc, voilà. Madame Tenant est propriétaire. Elle est propriétaire terrier de cette portion de terre où souvent quand vous partez à Bassam, il y a des cocotiers. Elle a reçu les papiers depuis au temps de la colonisation. Et cette propriété lui appartient. Il s'est avéré que un certain monsieur, un milliardaire peut-être, en CFA, ou bien je ne sais pas d'où il sort, mais c'était Nigérien. C'est-à-dire, ce sont les gens sur les terres là, les terres qui les appartiennent là, sur nous qui les appartiennent, dans leur pays, ils sont dans le Sahel. Vous me comprenez, les Ivoiriens. Donc, ils ne connaissent pas la forêt. Ils ne connaissent même pas la savane. Ce qu'ils cultivent chez eux là, c'est souvent même des oasis. Ce sont des éleveurs. C'est les bœufs que eux ils surveillent. Ce sont des éleveurs la plupart du temps. Vous me comprenez? Cette histoire de terre devient de plus en plus compliquée. Et donc vous mes frères Bassamois, vous mes papas Bassamois et Bassamoises, levez-vous, attachez vos keiwa en ce qui concerne vos terres. C'est votre seule richesse. C'est votre seul bien. Dans les vidéos passées, je disais que la terre, en anglais, on appelle ça real estate. Je vais traduire ça pour vous. Real estate, ça veut dire, c'est un state qui est real. C'est en anglais, ça veut dire, c'est un état qui est vrai. Qu'est-ce qu'on sous-entend par état? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à un instant T, à un point T, dans une situation T, c'est une chose qui est réelle. Elle ne peut jamais être dévalorisée. Elle ne peut jamais être gâtée, en fait. C'est ça qu'on appelle real estate. Et donc, c'est une chose que les Européens déjà connaissent la valeur. Plusieurs fois, on m'envoie des vidéos pour que je fasse des vidéos sur la terre des ébriers. Plutôt le roi du Maroc avait payé certaines potions là-bas. Et il y a eu un problème. J'ai fait une vidéo pour cela. Encore, il m'avait envoyé une vidéo en ce qui concerne la terre de, je ne sais, des Achins. J'ai fait une vidéo. Ça fait un bon bout de temps que je suis sur les réseaux sociaux et je parle toujours à mes frères, à mes soeurs, à mes parents du sud, à mes frères à Caen, qui sont des nés cultivateurs, qui sont nés planteurs. C'est ce que nous savons faire. C'est ce que nous avons. Et donc vous, mes parents, quelle que soit votre galère, ne vendez jamais vos terres. Je dis bien, ne vendez jamais vos terres. Mourez pour vos terres. Parce que si vous vendez vos terres, vous allez perdre votre identité. Votre identité est collée. Votre identité est assimilée par votre terre. Je vous donne un exemple. En Europe ici, ou bien aux États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas l'Europe ou bien qui ne sont jamais allés aux États-Unis, je vais vous donner la réalité. Écoutez ce que je suis en train de dire. Certains endroits en Europe ici, quand tu vas dans les provinces, les gens, c'est-à-dire les fermiers, les éleveurs,
Ils barricadent leur terre. Ils mettent des barbelés de fer. Et puis, vous savez ce qu'ils mettent dessus? Interdit de passer. Interdit d'entrer. Vous me comprenez? Les Bassamois. Vous me comprenez? Les Abourés. Vous qui êtes intellectuels. Vous qui rapportez les trucs aux vieux, aux vieilles, qui ont des terres, qui ont des propriétés. Allez leur dire, leur terre n'est pas à vendre. Je dis bien, ce n'est pas négociable. Sinon, vous allez perdre votre identité. C'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. Et donc, je n'appelle à toutes les autorités, à tous les cantons, à tous les royaumes du Sud Comoé. Celui qui vend sa terre, demain, il ne faut pas vous venir pleurer chez d'autres royaumes dans le Sud Comoé. Que les Abourés ne vendent pas leur terre. Que les Bassamois, les gens de Vitré, Mossou, Abouasso, Assini Mafia, ne vendez pas vos terres. Louez-les. Même si quelqu'un, je vous dis quelque chose, même si quelqu'un veut prendre votre terre pour construire une maison dessus, louez. Je dis bien louer. Comme ça, sa maison est dessus. Mais il paye quelque chose à vos enfants. Même si vos enfants meurent, les petits-enfants vont manger. Les arrière-petits-petits-enfants vont manger. On ne vend jamais une terre. Vous allez voir que le Vatican est la structure, je peux dire le pays qui a plus de terres au monde. À cause de quoi? À cause de l'église catholique. Partout où il y a une église catholique, cette propriété appartient au Vatican. C'est de ça qu'il est question. Vous me comprenez? Excusez-moi. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Ne vendez pas les terres. Quel que soit Alpha, même si vous avez faim, louez. Parce que l'argent que vous allez prendre pour louer là, il va vous donner, vous allez manger. Mais votre terre est là, c'est pour vous. Votre terre, pour que vous ayez les titres, faites ce qu'il faut faire en Côte d'Ivoire pour avoir le titre, c'est-à-dire les titres à part entière. C'est pour vous. Les documents doivent être gardés secrètement. Moi, mes parents qui ont les terres là, heureusement que nous, nos terres là, ce sont des citoyens d'un pays puissant. Et nous, on les loue. Jusqu'à aujourd'hui, mes grands-pères ont loué. Nous aussi, on loue. On vend pas. C'est pas négociable. On vend pas. Parce que nous sommes des planteurs d'ananas, des planteurs de café, de cacao. On vend pas nos terres. C'est de ça qu'il est question. Allez les dire. Allez dire à Mlingui. Allez dire à Nana. Au Nana. Allez les dire. Ils vont prendre toute la côte de Bassam là. Et ils vont tout louer ça aux gens. Ou bien vendre ça aux gens. Non! En Europe là. Aux États-Unis là. Quand vous regardez les films là. Et puis vous voyez par exemple les fermiers avec des champs de maïs. Et puis les champs de maïs, ce n'est pas les hommes qui sont dedans. Hein, c'est les machines qui travaillent ça. Ces terres là. Ils passent ça de génération en génération. Ces terres là, ils passent ça de génération en génération. Si tu as une parcelle de terre. Même si c'est 500 mètres carrés et que tu n'as jamais vendu, même si quelqu'un veut construire une maison dessus, tu ne vends pas. Je dis, mais tu ne vends pas, tu dis, je loue. Ta maison est dessus, mais moi j'ai toujours mangé. Mon enfant va manger, mon petit enfant va manger. Après lui va manger, ne vendez pas. Parce que la terre là, ce n'est pas renouvelable. On ne peut pas aller quelque part d'autre pour aller prendre la terre pour venir pour acheter ce que tu as déjà là. Non, c'est un bien personnel, c'est un bien réel, c'est un bien de génération en génération, c'est un bien jusqu'à la fin du monde. Si tu ne vends pas, vous comprenez? Et ça, comme le dit ma soeur Maïmouna, ce n'est pas tout, ce n'est pas, ça concerne tout le monde. Ça concerne Abidjan. Ça concerne les Africains. Ne vendez pas vos propriétés privées, vos terres. Ne vendez, parce que nous-mêmes en Europe, on ne nous vend jamais de terres. Vous avez vu un Africain aller payer terre dans les pays européens ou bien quelque part
dans un pays au nord ou bien, je ne sais pas, au pôle sud. Vous avez vu quelqu'un vendre. Ils vendent les maisons, mais la terre, ce n'est pas pour toi. Hein. Quand tu quittes le pays, tu viens dans ton pays, en Afrique, là, tu déplaces la maison là pour venir. Tu vends la maison. Ça veut dire que leur propriété, c'est-à-dire la terre, là, ça reste encore chez eux. Et Africains, combien de fois votre Lisa va vous parler? C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. C'est à ce prix-là que vous allez laisser un héritage à vos enfants, des enfants de vos enfants. C'est de ça qu'il est question. Quand il y a une terre, c'est un bien à vie. Je dis bien, c'est un bien à vie. C'est un bien naturel. Les hommes passent, mais le bien-là reste. C'est un bien qui est naturel. Vous-même, nos parents qui sont allés dans les pays développés, là, depuis qu'ils sont là-bas, là, ils vous ont déjà dit qu'ils ont une terre, une propriété, une propriété terrière dans ces pays-là. Jamais. Ils cherchent leur argent. S'ils ont payé des maisons avant de venir en Afrique, ils vendent la maison et puis ils viennent. Mais pourquoi c'est vous, Africains, gros nez, excusez-moi, Lisa n'est pas trop méchante, parce qu'elle vous aime. Vous êtes des loulous et des louloutes. Je ne vais pas dire ces mots, ça ne va pas vous plaire, mais je veux quand même bailler sur vous. Quand ils viennent là, les autres personnes viennent là, vous vendez vos terres. C'est nous, Africains, seulement on vend nos terres. Donc, notre soeur, Tané, a un problème. Vous, les Bassamois, levez-vous. Vous, les Abourés, levez-vous. Il ne faut pas vous faire, au cours, ceci va nous insulter. Parce que nous ne sommes pas des femmelettes. Même moi seul, je peux battre 20 000 hommes. Donc, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Informez vos parents. Informez vos vieillards, nos vieillards qui ont les terres, qui ont les propriétés privées là. Nous, je prends un exemple. Certaines familles, si jusqu'à présent ils ont les biens, ils ont les terres, c'est parce que dans leur famille, il y a des intellectuels qui s'y connaissent. Et ils ont pu préserver. Maintenant, si dans votre famille, il n'y a pas d'intellectuels, nous, on est là sur les réseaux sociaux pour vous informer. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo en bloc. Dans tout le sud, comme vous partagez cette vidéo-là. Ne vendez plus jamais vos terres. Si certains ont été vendus, qu'il y a des conflits, réglez ça. Mais vous qui m'écoutez, dites à vos enfants, de vos enfants, de vos petits-enfants, de ne plus jamais vendre. C'est à ce prix-là que la Côte d'Ivoire sera aux Ivoiriens. Quelle que soit la crise dans le temps et dans l'espace, la Côte d'Ivoire va revenir toujours aux Ivoiriens. Malgré les mélanges, malgré les ceci, les cela, la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Regardez par exemple, les Indiens aux États-Unis, ils ont perdu les terres. Ils ont perdu les terres. D'accord. Ils ont perdu les terres. On dit à nos frères hébriers, il y a beaucoup de les terres qu'ils ont perdu. Actuellement, Abidjan, c'est une ville. C'est une agglomération moderne. Ils ne peuvent plus. Ils faisaient la pêche. Jusqu'à maintenant, ils ne font plus la pêche. Même eux-mêmes qui ont la terre là. Et puis, ils ont l'eau là. Que l'eau là les connaît. Les génies de l'eau là les connaît là. Ils payent pour aller pêcher. Est-ce que ça, c'est normal? Dites-moi, répondez-moi. Est-ce qu'un ébrier doit payer quelqu'un pour aller pêcher? Est-ce que nos frères à Tchin doivent payer pour aller pêcher? Est-ce que nos frères à Djoukrou doivent payer pour aller pêcher? Dites-moi. Ça ne peut pas se faire. En vendant vos terres, vous êtes en train de vendre vos identités. En vendant vos terres, vous vendez ce que vous avez de plus beau, de plus fort avec la nature. D'où vous êtes quitté, d'où vos ancêtres sont quittés. C'est de ça qu'il est question. En vendant vos terres, vous laissez des gens participer à votre disparition sur la terre. C'est la vérité. Ça encore, Lisa n'a pas transformé. C'est la vérité. C'est pour cela qu'on nous fait la guerre en Côte d'Ivoire.
Parce que notre pays est beau. Notre pays là, c'est beau. Tout le monde veut sa part de gâteau. Maintenant, c'est vous. Vous n'êtes pas attaché à votre kéiwa pour être dur comme de l'acier. Pour dire non. Pour dire non que vous ne vendez pas. Même si vous devez manger tchongo. Même si vous devez jeûner même. Parce que ça vous prend la terre là. Et que ce soit les milliards, quel que soit l'or, que les diamantaires, que les milliardaires du monde entier viendront encore de votre pays, une terre, ne donnez pas. Parce que chez eux là, ils ne vendent jamais les terres. C'est moi qui vous dis. Moi j'ai fait 3 continents. J'ai fait l'Amérique, j'ai fait l'Europe et j'ai fait l'Afrique. Ils ne vendent jamais les terres. Ne vendez pas vos terres aux Chinois. Ne vendez pas vos terres à personne. C'est de ça qu'il est question. Partagez la vidéo. Partagez-la. Même au Mali, il y a de l'or, il y a de l'uranium. Pourquoi ils sont cloîtrés au Mali? Mais c'est à cause de ça. Je vous ai déjà fait une vidéo où je vous ai dit qu'ils avaient fait une carte et ils ont vu les dessous de l'Afrique. C'est-à-dire le sous-sol de l'Afrique là. Sous la terre là, il y a des minéraux, surtout dans le golfe de Guinée. Ne vendez pas vos terres. Il y a de l'or, il y a du diamant. S'ils viennent par exemple pour dire que non, ils vont chose par exemple, ils vont faire d'une forêt un parc national ou bien un tour de l'UNESCO, etc. Dites, on a compris. Mais suivez vos terres, parce que dans nos terres là, les ancêtres là, nous connaissent. Les génies là nous connaissent. Ils nous connaissent, hein. Quelque soit tu es chrétien, comme quoi, ils nous connaissent. Eux tous, ils nous connaissent. Ils connaissent nos noms. C'est moi qui vous dis ça. Ce qui n'est pas pour toi, tu ne peux pas prendre. Mais vous, les Ivoiriens, pour de l'argent, pour la corruption, vous vendez vos terres. Toujours. Ça fait 1000 ans que j'ai fait des vidéos pour ça. Il faut vraiment que vous changez. Mes frères Ivoiriens. Donc, cette affaire de terre là, de Madame Téné là, allez-y la voir, nous allons l'appeler, mais contactez les autorités et cette histoire doit être résolue. Je dis bien résolue, on ne veut pas entendre parler de ça. Il faut qu'elle nous dise que ça avance et qu'elle est propriétaire depuis au temps de la colonisation. Personne ne peut lui arracher cette propriété là. Maintenant, s'il persiste là, on va rentrer dans le bois sacré. S'il persiste là, on va rentrer où on peut rentrer. Vous-même, vous connaissez affaire là. Je n'ai pas dit ça ici. Nous, on n'aime pas Palab. Hein. Ne venez pas nous chercher Palab. Qu'il redonne la terre de Madame Tané. Quel que soit Alpha. Et c'est comme ça que quelqu'un allait un jour vendre le banco. Vous vous rappelez de l'histoire où on a vendu le banco? Ils ont vendu ça à quelqu'un, un Saoudi, je ne sais pas qui. Ils ont vendu le banco une fois. Donc faites attention. Informez nos parents qui ont les terres là. Et regardez les documents là. Regardez les héritiers. C'est parce que c'est votre bien personnel. L'argent dans les banques peut être bloqué. La nourriture peut manquer. Même une maison même. Par des aléas climatiques, ça peut se détruire. Ça peut disparaître. Mais votre terre reste votre terre. Ne les vendez pas. Actuellement, ils sont chauds pour diviser la Côte d'Ivoire pour eux. Surtout, tout ce qui est terre. Ils payent tout. Jusqu'à, ils payent même les lagunes. Ils payent les mangroves. Ils payent les lacs. Ils payent les baies. Ils payent tout. Attention, Ivoiriens. Attention, vous, les gens du Sud Comoé, parce que votre région est belle. Leur côte maritime. Il n'y a pas un qui appartient à un noir. Il n'y a pas un qui appartient à un africain. Comment se fait-il que c'est vous, vos côtes là? Dieu a donné pour chacun. Comment se fait-il que c'est vous, vos côtes là? Eux, ils sont tous dessus. Eux, ils se pavent tous dessus. Faites attention, mes frères. Faites attention. Si vous ne faites pas attention, un jour la Côte d'Ivoire ne sera plus dans nos mains. Et puisqu'on n'a pas d'argent, on n'a pas d'âme. C'est devant, on n'aura que nos gros yeux pour pleurer. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est tous les Africains. Je dis bien, c'est tous les Africains.
Donc, soutenons notre soeur. Peut-être que notre frère Okosisi fera une autre vidéo. Parce que je crois qu'il va faire une autre vidéo pour ce problème. Moi-même, je vais aussi essayer d'appeler cette dame. Peut-être que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais rapporter ce qu'elle m'a dit à Okosisi. Puisque c'est lui qui a été contacté. Et on va s'en tenir à là. Et dans cette vidéo, c'est pour vous interpeller. C'est pour vous exhorter de faire attention, vous qui avez les terres. C'est le plus grand bien précieux, naturel que vous avez. Vous me comprenez, c'est le seul. Ne vendez pas les lagunes à qui que ce soit. Parce que chez eux même là, ils ont leurs lagunes. Ils ont leurs côtes maritimes. Ne vendez pas. Quel que soit le prix. Il dit bien quel que soit le prix. Prenez l'argent, bouffez et puis donnez les faux papiers. C'est tout. C'est de ça qu'il est question. Pourquoi vous allez vendre? Si vous vendez là, vos propres enfants vont venir, il va dire, ah, ça là c'était pour chose, mon papa, mais tu ne peux pas rentrer dans la propriété. Donc ne vendez pas. Vous me comprenez les Ivoiriens? C'est de ça qu'il est question. Ne vendez rien. S'ils veulent prendre peut-être certaines forêts pour faire des trucs comme des trucs de, je sais pas, des parcs, essayer de préserver, accepter. S'ils veulent envoyer des plantes dedans, accepter. Mais toujours soyez connectés à ça. Vous êtes chez vous. C'est votre devoir et c'est votre droit de protéger votre seul bien naturel que Dieu vous a donné. Chacun pour lui. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Affirmez-vous en tant qu'Africain. Dites non. Au prix de votre sang. Au prix de votre volonté. Ne jouez pas avec eux. Hein. Si vous jouez, c'est votre problème. Oh. Moi, je vous parle seulement. Parce qu'ils ne veulent pas notre bien. Vous savez à faire là. On ne va pas aller sur ce terrain. Hein. Vous me comprenez? J'espère que je me suis fait entendre. J'espère que vous avez compris. Soutenez cette soeur. Partagez cette vidéo dans les inbox. Pour prendre inbox, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Pour que nous puissions préserver la Côte d'Ivoire. Les 362 462, je ne sais pas quoi, kilomètres carrés là. Ça donne pour les Ivoiriens. Il n'y a pas petit moment à laisser pour donner à quelqu'un. C'est de ça qu'il est question. Donc, préservez vos terres. Gardez bien les papiers. Si vous ne comprenez pas français, voyez vos parents, voyez vos amis qui comprennent français, qui comprennent la terminologie de tout ce qui est foncier, de tout ce qui est terrien. Ne laissez jamais quelqu'un, un géomètre que vous ne connaissez pas, mesurer les limites de votre terre. Jamais. Prenez quelqu'un que vous êtes familier à lui, il va mesurer vos terres. Les papiers sont bien gardés. Et surtout, vous pouvez même garder ça et notarier vos papiers de terre. Vous me comprenez? Notarier ça et puis garder. Parce que moi et mes parents, ils ont des terres. Et c'est mon oncle qui était ingénieur, qui a fait tout pour que les terres là, on connaisse les limites. Et on connaît les limites. Donc si demain, il n'est plus, c'est ça, ça va se passer de génération en génération. Donc souvent, c'est le manque de... d'éducation, c'est-à-dire quand il dit éducation, c'est pas méchant, c'est le manque d'information plutôt, voilà. C'est le manque d'information qui fait que certaines personnes se retrouvent avec des difficultés en ce qui concerne leur titre foncier. Vous me comprenez les Ivoiriens. Donc, surtout pour les femmes, surtout quand une femme a une terre, elle n'a pas assez d'informations sur ça. Donc, les femmes qui sont propriétaires, voyez les hommes qui sont aussi propriétaires ou des femmes qui sont propriétaires, qui sont éduquées, elles vont vous aider. Petit à petit, vous allez garder vos titres fonciers pour vous, pour vos enfants et vos arrière-petits-petits-enfants. Dans cette vidéo aussi, je voudrais dire merci spécialement à une Ivoirienne qui est venue en aide à Carton Noir, un cyber-activiste, notre ami Carton Noir. À travers cette vidéo, je lui ai dit merci. Merci pour son don qu'elle a fait à Carton Noir par rapport à sa vidéo qu'il avait faite sur une chaîne là, une chaîne ivoirienne là. Sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai entendu, j'ai relayé l'information. J'ai fait une vidéo aussi pour lui, pour que les gens lui viennent en aide. Et cette femme-là a donné quelque chose. Donc, je remercie solennellement cette dame qui a fait ce geste plein d'amour et plein de signification. J'espère que j'ai tout dit. Et je vous remercie. Vous qui êtes connectés, vous qui avez mis des commentaires, mettez assez de commentaires, mettez vos pensées, ce que vous pensez là, mettez. Et surtout, ne mettez pas des commentaires désagréables parce que vous serez bannis
de la chaîne de Oko Sissi à jamais. Parce que c'est Lisa aussi. Je suis son partenaire, donc il connaît lui-même. Donc, dites ce que vous voulez dire. Partagez. Prenez conscience. You know? Parce que nous aimons la Côte d'Ivoire. Autour du drapeau, nous aimons aussi ceux qui viennent en Côte d'Ivoire. Mais ils doivent apprendre à nous respecter. Vous comprenez? Ce milliardaire-là, quel que soit où il est quitté, quel que soit où il est sorti, il ne peut jamais gagner un procès foncier en Côte d'Ivoire. Qu'il le sache. Parce qu'on va pousser cette affaire jusqu'à Alas Karas, jusqu'à chez Mokloa, la vendeuse de Plakali. C'est de ça qu'il est question. Vous me comprenez, les Ivoiriens? Je vous remercie. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vous souhaite une très belle journée, un beau après-midi, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous nos dirigeants, vous tous les Ivoiriens de la diaspora. Je vous aime. C'était votre Lisa depuis sa position. À très bientôt. Bye. Gros bisous. Bye bye.